Il est mort, mon mari. Renversé par une voiture. Ça s'est passé quand? En octobre dernier. Et avant son accident, vous savez s'il avait rencontré une certaine Marguerite Tissier? Bah, oui, un peu que je m'en rappelle de Madame Tissier. Elle voulait qu'il écrive une histoire, là. Enfin, cette histoire des conserves pourries, là, qu'on l'a forcé à servir aux soldats pendant la bataille de la Somme. Il l'a fait? Ah oui. Mais Jules est mort 3 jours plus tard. Et puis elle est jamais revenue la chercher, hein, sa lettre. C'est Nils, c'est ça? J'ai l'impression que t'as pas bien compris comment ça marche, toi. Non, parce qu'en fait, Ariana, elle travaille comme ça, elle a toujours bossé comme ça, tu sais. Je sais pas si tu te rends bien compte, en fait, de la chance que t'as d'être sur son film. Non, mais moi, je bosse pas comme ça. Nous mettre au pied du mur comme ça, c'est pas du respect. Bah oui, évidemment. C'est facile, hein, pour toi de dire non. T'as 25 ans, t'es un mec, plein de propositions drôles, j'imagine. Mais profites-en bien, hein. Parce que ça dure pas toute la vie, ça. Florence, faut que je te parle. Je vais briller, là. Mais pourquoi? Mais parce que ton docu familial, franchement, c'est pas mon truc, je te l'ai dit. Non, non, mais on va y aller, là. Mamie se sent pas bien. Voilà. Va à ta place, Victor, s'il te plaît. Là. Voilà. Vas-y, parle. This death. Please, please help him. Please just don't let him fall apart. Please help him. Please help me, Jesus. Y luego en la noche, otra vez estás ahí cuando tengo planes, apareces cuando estoy ahí con mis amigas. O sea, ahí no se puede, parece como acoso, o sea... Es que eres irresistible, mi amor, o sea, quiero estar contigo todo el tiempo. Claro, claro, claro. Bueno, pues resísteme, por favor. Te lo pido, te lo ruego, o sea, resísteme. Arrête, tu vas passer pour une hystérique. Tu devrais pas t'habiller comme ça. Ça me déconcentre.